Ce samedi 1er avril, TF1 a diffusé la 6e soirée des auditions à l'aveugle de The Voice. Quelles chansons ont été interprétées par les talents? Télé Loisirs vous a listé tous les titres de ce prime inédit. Le 25 février dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la 12e saison de The Voice. Aux commandes du divertissement, les téléspectateurs ont retrouvé Nikos Aliagas quelques mois après son grand retour dans la 10e édition de la Star Academy. Côté jury, Amel Bent et Vianney ont repris place dans les célèbres fauteuils rouges. Zazie, elle, a fait son comeback après une participation en 2021 à la version All Stars du télécrochet. Pour remplacer Florent Pagny, absent pour raison de santé, la production a fait appel à un duo de rappeurs qui cartonnent dans les charts, à savoir Big Flo et Oli. Dès la première soirée des auditions à l'aveugle, les deux frères se sont retrouvés dans la compétition. Ils ont dû ainsi composer leur équipe de talents. The Voice 2023, de nombreux talents sélectionnés, la composition des équipes des coachs se précise. Depuis le début de la compétition, les coachs se sont retournés sur de nombreuses prestations, à commencer par celle de Noshka. La jeune femme a proposé une reprise du morceau L'Enfer de Stromae dans une version remixée qui a totalement séduit les jurés. D'autres talents ont enflammé la scène de The Voice, de Ludmilla à Anna en passant par Élise, Lumen Nae ou encore Bey. Ce samedi 1er avril, les téléspectateurs ont assisté à la 6e soirée des auditions à l'aveugle. Là encore, les talents ont tout donné pour faire retourner les coachs, à l'image de Sidonie Ferrier dont l'histoire personnelle avec sa maman n'a pas laissé le public insensible. The Voice 2023, les chansons interprétées par les talents lors de la 6e soirée des auditions à l'aveugle. Au cours de cette soirée du 1er avril 2023, 12 chansons ont été interprétées dans The Voice. Télé Loisirs vous propose de les redécouvrir dans la liste ci-dessous, Arcade de Duncan Lawrence, Hosanna in Excelsis, de Jacques Cuioli, Popcorn Salé de Santa, Sweet Dreams de Rhythmic, Anyone de Demi Lovato, 10 ans de nous de Ben Mazué, Je sais pas de Céline Dion, Je suis un homme de Zazie, Si Estibo la vie de Jean Ferrat, Gravity de Sarah Bareilles, You Don't Own Me de Leslie Gore, It Was d'Aristyle à lire aussi. Pourquoi les coachs de The Voice 2023 portent-ils toujours les mêmes vêtements dans les auditions à l'aveugle?